Salut à vous. Aujourd'hui, je vous montre un détail dans l'acte 1 qui permet d'avoir 5 petites araignées qui vont se battre avec vous. Je vais commencer par vous montrer c'est où. Ici, vous avez le bosquet des druides. Juste ici, donc vous allez sortir du bosquet des druides. Vous allez venir par ici et monter la falaise rocheuse ici. Donc, il y a une petite paroi rocheuse là. Vous montez, vous continuez par là. On va par ici et on va monter l'échelle ici. Et en haut de l'échelle, vous allez tomber sur un petit campement abandonné avec un squelette. Et là, ça vous prend un personnage qui va réussir un test de perception. Juste ici. Perception réussie. Et à l'intérieur, il y a une toile d'araignée. On va cliquer dessus. Au fond de la crevasse, une pièce d'or brillante dépasse d'une bourse autour de laquelle grouille une colonie d'araignées. Je vais observer attentivement les araignées. Et ensuite, il va y avoir un deuxième test, un peu plus difficile. Les araignées semblent défendre la bourse. Il vous paraît évident qu'un œuf repose à l'intérieur. Donc, on fait le deuxième test de 15 cette fois-ci. Bercées par vos murmures, les araignées reculent vers le fond de la crevasse, les unes après les autres. Et là, on va obtenir la bourse. On a obtenu la bourse, est ici. Mais là, il faut ouvrir la bourse et il y a deux items dedans. De l'or et un petit œuf. Poche d'œuf d'araignée. Et là, on peut prendre la poche d'œuf d'araignée. On va pouvoir en combat, ou pas en combat si vous voulez, on peut la lancer. Comme ça ici. Donc, je vais la lancer juste là. Et vous pouvez voir que ça a spawné 5 petites araignées. Il y en a 5. Comme ça, ils ont toutes 7 points de vie. Ils sont très faibles, là. Ils font 1 à 7 points de dégâts, incluant un petit peu de dégâts de poison. Ils sont très faciles, ils vont mourir très facilement avec 7 points de vie. Très peu de classe armure, mais vous pourrez initier le combat en lançant la poche d'araignée sur un ennemi. Ça va faire qu'il va avoir 5 petites araignées qui vont être juste autour de lui. Donc, ça pourrait être intéressant pour faire quelque chose de rigolo durant un combat, là. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!